Moi, je connais pas de poulet qui tombe par là. Donc, ce sont des impacts d'une politique où on poursuit l'équilibre budgétaire sans vraiment tenir compte des femmes. Nous avons également des inquiétudes parce que pendant qu'on est en train de couper dans les services publics et les programmes sociaux au Québec, qui sont des secteurs d'emploi où les femmes sont extrêmement importantes, on investit dans des milieux de travail comme les mines, qui sont fortement des domaines masculins. Et donc, on a l'impression de vivre un transfert des femmes vers des hommes qui gagnent des revenus extrêmement élevés, alors que les impacts de ce développement-là ont des impacts souvent assez néfastes sur les femmes. Les femmes sur la côte nord, par exemple, connaissent actuellement une augmentation des agressions sexuelles de façon importante. C'est votre opinion, basée sur certaines analyses, certaines études, mais je pense qu'il y a eu aussi quand même une certaine évolution de la société, surtout ici en Amérique du Nord, où la place des femmes n'est pas... On est quand même en 2015, on n'est pas en 1975. Basée sur quelles études pour affirmer pas sur des études, mais sur une observation de la réalité. Je vois que... Comme mon collègue de Chapleau, dans une vie antérieure, moi aussi j'étais maire, puis j'étais dans une MRC vice-préfet, et puis on essayait d'attirer des femmes en politique. On faisait tous les efforts inimaginables pour les attirer. Mais il n'y en a pas, si vous voulez, je vous dise. C'est leur choix, on ne peut pas les forcer. Vous parlez du secteur minier, mais le secteur des ressources naturelles, si vous voulez, je vous dise, il est dans le Nord. C'est un secteur à forte prédominance masculine. Si les agressions sexuelles augmentent dans ce coin-là, ce sera à la sécurité publique à mettre plus de policiers. Mais, tu sais, c'est comme ça. On n'arrêtera pas les ressources naturelles puis l'extraction du minerai de fer ou du cuivre ou de l'or parce qu'il y a plus d'agressions sexuelles dans ce coin-là. Merci, bye.